fais cette vidéo, je sais pas trop si je vais l'utiliser, mais globalement, c'est une vidéo pour expliquer la dernière idée un peu fofolle que j'ai. Super 73, la marque avec laquelle je bosse depuis 2 ans. J'essaie de négocier qu'ils m'envoient un de leurs vélos et le faire un giveaway. L'idée, c'est de faire un jeu de réalité alternatif, d'énigmes, de puzzles autour de la carrière de Léna, du message qu'elle avance, de son livre, etc. D'amener la communauté à en parler tellement que ça revienne aux oreilles de Léna et que Léna en parle. Et du coup, qu'elle donne aussi un des derniers indices pour accéder au prix final, qui est le vélo que Super 73 pourrait potentiellement me fournir. L'instigateur de tout ça, ça serait Léon Situation. Je sais, c'est nul, mais on va rester là-dessus. Léon Situation, qui serait en fait un Léna, mais d'un monde, d'un multiverse en fait. Ah, je suis fatigué. Je sors d'une nuit blanche. J'ai presque terminé de faire toutes les énigmes. L'équivalent d'une énigme par page du livre de Léna. Mon objectif, c'est de terminer les énigmes et le site web avec tous les trucs spécifiques pour afficher la question et pour pouvoir y répondre. Tout ça d'ici la fin avril. Donc, dans 5 jours. Pourquoi j'aime bien me lancer dans des trucs impossibles, quoi. Ça fait super peur, je suis au milieu de la nuit, il est 1h du matin, vas-y, ça fait plus d'un mois que j'y suis. Tu vois, tous les jours, un peu tous les soirs, je me suis mis une grosse claque et ça y est, j'ai enfin les 149 énigmes de la chasse au trésor sur Léna Situation. Donc maintenant, c'est la suite du travail, je vais enchaîner sur la création du site web. Bon, bah on y va. Salut, c'est Léon. Où est-ce qu'on en est? J'ai créé les 149 QR codes. Les 149 QR codes, ils emmènent tous sur une page spécifique internet qui va te permettre de tomber face à l'énigme que tu dois, auquel tu dois répondre. Et quand tu réponds, tu gagnes des points et il y a un classement qui se fait. Ça, ça marche. C'est fait, ça fonctionne. Il manque juste quelques images d'illustration pour certaines énigmes que j'ai voulu un petit peu plus visuelles que juste écrire le texte de l'énigme. Mais globalement, toutes les énigmes sont là, elles sont prêtes, elles sont sur le site web. Le site web qui raconte l'histoire, il est prêt. C'est Léon Situation venant d'un autre multivers, vient dans notre univers, se rend compte qu'il a son doppelganger Léna Situation qui a découvert le secret du partage, le secret du plus égale plus. Et lui, il a besoin de comprendre ce message pour pouvoir le ramener dans son univers à lui. La machine qui l'a permis de voyager à travers les univers est tombée en panne. C'est ce vélo, en fait, qui est laissé. Donc, tout est là, sauf le vélo. Le vélo, je vais le recevoir. J'ai eu la confirmation de Super 73 que je vais avoir encore mieux que le vélo que je pensais avoir. Léna vient d'annoncer aujourd'hui, 28 juin, le lancement de l'hôtel Mafouf. Il faut absolument que j'aille poster mes QR codes dès demain à l'annonce parce que là, les gens, ils vont aller, ils vont chercher l'endroit, ils vont se prendre en photo devant, ils vont poster avec un hashtag Léna, etc. Parce que je pense qu'on arrive à un moment ultra pivot du projet. Cette idée absurde de dire oui, je vais faire une chasse au trésor sur le thème de Léna Situation sur 149 pages. Pourquoi? Tout ça parce que je sais que je vais demander un vélo en giveaway autour d'un projet qui est ultra drôle, qui est tellement dans l'esprit, tu reçois, tu donnes, plus égale plus. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, je suis dans l'autre univers. Dans cet univers, je dois découvrir les secrets pour améliorer mon clan. Je viens d'un clan où marcher sur les autres, détruire les autres, c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Mais ici, dans cet univers, j'ai compris qu'il y avait de la bienveillance, de l'entraide et que ça permettait d'aider les gens. Et la première clé est là. Je pars découvrir dans la ville les différents éléments qui vont me permettre de revenir dans mon univers et ramener cet esprit. Plus égale plus. Salut les gars, c'est Léon. J'ai enfin trouvé un moyen de rentrer en communication avec vous. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
Merci à tous ceux qui m'aident en m'envoyant des informations. Après avoir bossé pendant 3 mois sur les énigmes, sur les QR codes, sur le principe, etc. Je suis dans la cave et je vais filmer la séquence du reveal du méchant. On est juillet, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet. Après 6 mois de boulot, tous les QR codes sont dans Paris. J'ai réussi ça. Yes. J'ai reçu le ZX qui est à gagner. C'est un peu ouf de se dire que le vélo il est là et que j'ai vraiment réussi à faire que le vélo soit là et que je vais vraiment le donner à quelqu'un qui aura répondu à un maximum de questions et d'énigmes sur l'ENA situation. Mais c'est le cas. Le vélo est là. Il est assemblé, je fais un petit tour avec justement pour pouvoir faire quelques petites vidéos en tant que Léon situation. Le vélo. Bon, il a plus d'énergie, mais ça sera un très bon moyen de transport pour aller mettre les interfaces de communication. Alors ça fait un peu moins d'un mois, hein. Ça fait une vingtaine de jours, mais bon, ça a pas trop décollé encore. Le compte de Léon, il a une cinquantaine d'abonnés. En fait, j'ai un peu peur de me dire que ça va absolument rien donner. Il y a rien qui se passe en vrai, en fait, sauf moi qui essaye de faire des grands gestes, mais il y a rien d'autre qui se passe. Faut y croire jusqu'au bout, de toute façon j'ai jusqu'à fin septembre. Tant qu'on joue, peu importe de gagner. Je suis venu devant l'hôtel Mafouf à l'ouverture. Alors pas vraiment à l'ouverture parce que l'ouverture c'était à 16h et que c'était blindé déjà à partir de 13h. Moi je suis arrivé, il devait être 19h30, 19h20 et il y avait l'ENA venait de partir. Attends, on va faire le tour de la queue. Pareil qu'à 13h, ça faisait tout le tour du bloc. C'est très très cool. J'ai rencontré la mère de l'ENA et qui m'a reconnu. Et ça, c'est cool. Mais je suis content de pouvoir être là pour l'ouverture. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs. Il en faudra. L'espace est là-dedans. Je voulais regarder le vlog de l'ENA devant l'hôtel Mafouf, mais il est toujours pas sorti là. Non, il est pas sorti. Il est pas sorti encore. Ah non, situation, elle a été incroyable. Elle m'a dit, t'as parlé aux gens là de ton truc? Non, j'ai pas osé. Quoi? Oh, écoutez, il doit vous parler de quelque chose. Elle m'a tué. C'était même plus des encouragements. Elle m'a dit, voilà comment tu dois travailler. Maman, situation, mouah, génial. Merci beaucoup. Tout le monde a trouvé le concept. Génial, adorable, top. Donc on est content. Je vais aller voir les gens dans la queue et je vais leur parler du projet. Je vous avoue que je suis pas super serein. Direction l'hôtel Mafouf. Tu connais l'ENA situation? Ouais. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Du coup, j'organise une énorme chasse au trésor dans tout Paris. Et si tu scannes ça avec ton téléphone, ça t'emmène sur une énigme sur l'ENA situation, sur sa carrière, son message. Tu réponds juste, tu gagnes des points. Si t'es en haut du classement, tu gagnes ce vélo. Quoi? Comment on peut participer? Bah t'as un téléphone? Bah vas-y, scanne ça avec ton téléphone. Tu te mets en mode photo et là du coup ça te pose une énigme. Il y en a 149. Et si tu cherches Léon situation sur Instagram, bah je poste des indices pour savoir où est-ce qu'il faut chercher. T'es déjà allé à l'hôtel Mafouf? Si tu y vas, il y en a 10 des QR codes cachés à côté. Ouais. Première étape est faite, je suis allé à l'hôtel Mafouf, je suis allé vérifier qu'il y avait les QR codes et après je me suis posté près de la queue, mais j'étais en stress total. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais prendre le temps de remercier tous les gens qui étaient dans la queue à l'hôtel Mafouf. Merci de m'avoir écouté expliquer toutes les règles de cette énorme chasse au trésor, cette bêtise. Et c'est pas un exercice facile, vous avez été adorables. On se retrouve dans la chasse au trésor, bonne chance. Il y a pas mal de gens qui apprécient le truc, hein. J'ai beaucoup de j'aime. J'ai les abonnements qui commencent à arriver, mais ça joue pas beaucoup. Pendant que je faisais mes explications dans la queue,
Il y avait beaucoup de gens qui me disaient j'aime bien ton idée, mais je suis pas parisien, donc je vais pas pouvoir participer. Ce qui est dingue, c'est que Léna, elle a réussi à faire que les gens ils bougent de chez eux, de partout en France, juste pour venir à Paris et tester l'hôtel Mafou. Je suis un peu down cette semaine, et là, le fait d'avoir vu papa situation, me dire non, ton truc il est marrant et tout, y a pas de souci. La descente de pression totale. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie de cette aventure, à vous abonner, à checker les QR codes, les énigmes, tenter de répondre. Donc merci, merci beaucoup pour toutes ces informations qui vont peut-être sauver mon univers. Mais non, c'est ça l'hôtel Mafou. Non, restons vegan. Oh, enfin, j'essaye. Cette aventure de QR code, ça avance pas très très fort. Et là, c'est pas du fait que je pense que les gens détestent ou pas. J'ai 80 personnes qui sont abonnées au compte de Léon Situation. Mais en fait, j'en ai que 24 qui jouent. Et sur les 24, il y en a réellement que 2 qui jouent. Ah, je pense que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec cette expérience, avec ce projet. Beaucoup de fails. Je pense que j'ai grandi pas mal. Là, pour le coup, sinon, ça n'aura servi à rien. Devant l'adversité ou devant le fait que ça marche pas complètement, aller jusqu'au bout, continuer, se donner les moyens d'eux. Bah, c'est vachement important aussi d'apprendre cette leçon. Et bah là du coup je suis en plein dedans, je continue jusqu'à fin septembre. Et puis il y a une chose aussi qui a été ultra moteur pendant cette aventure, une chose auquel je m'attendais pas du tout, mais c'est à quel point les parents d'Ena, Papa Situation et Sabrina Mafouf, ont été extraordinaires avec moi. Tous les deux ils m'ont dit ouais ton idée elle est marrante, c'est un bon délire, bravo. Ça a été aussi un bon moteur pour pouvoir continuer et puis pour au moins me dire qu'il faut que j'aille jusqu'au pied. Il y a quand même ce magnifique vélo à gagner, donc il faut que je trouve la personne qui va gagner le vélo.